Ah bah bravo, bravo. Moi, depuis que la nouvelle passion de mon fils, c'est de jouer dans le sable et que dans ma bagnole, il y a l'équivalent de la Dunupila, qu'est-ce que j'apprends? Ah bah cet été, j'ai fait comme ils ont dit, je suis resté en France pour les vacances. Je suis allé à Gruissant, avec ma bonne femme, on avait loué un chalet à 3 750 € la semaine. La plage des chalets, c'est là où ils ont tourné le film 37-2 le matin. Bah moi c'était 37-2 le matin et 8-6 le soir. On a passé aussi quelques jours en Ariège. Alors on dit oui, en Ariège, il n'y a pas d'animation. Bah moi je suis allé un 14 juillet, en plein milieu d'un marché, j'ai crié vive l'ours! Bah je peux te dire qu'on a eu le droit à un très beau feu d'artifice. Où est-ce qu'on est allé aussi? Ah oui, on est allé en Aveyron. C'est un copain aveyronnais qui nous avait invités. Enfin, on a quand même payé la bouffe, la picole et le logement. Mais le mec nous a quand même invités à revenir l'an prochain si on voulait. Enfin, si on laissait un acompte. Oh c'est beau l'Aveyron hein. Tu mets 2h30 pour faire 15 bornes mais c'est beau. Ah j'ai aussi passé quelques jours dans le Gers. Oh c'est canon le Gers. Mais qu'est-ce qu'il y a comme Gersois? Là en ce moment je suis dans les Landes, chez mon beauf. Il a une piscine et une table de ping-pong. C'est pas que j'aime beaucoup mon beauf, hein, il porte bien son nom, mais il a une piscine et une table de ping-pong. Entre deux apéros, on joue au mulky. Le mulky, c'est la pétanque des Bordelais. Mais bon, à midi avec mon beau-frère, on n'avait pas de charbon pour le barbecue. Du coup maintenant on n'a plus de mulky. On a fait quoi? On a fait le Tarn. Je suis allé me baigner dans une rivière. Alors au début elle est froide, puis une fois que t'es dedans, elle est froide. Ah je suis aussi allé au Cap d'Agde. On avait loué un Airbnb. Mon beau-frère, il a deux gamins et un petit chien. Enfin, il avait un petit chien. Parce qu'à midi, avec mon beau-frère, on n'avait pas assez de chipots pour le barbecue. Mais là, mes vacances, c'est fini. Parce qu'on va rejouer au Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn. Et la news, c'est que le jeudi 27 août, on va reprendre notre spectacle phare avec Mélissa Billard et Pat Borg, Toulousain. Avec plein de sketchs inédits. Il y a qu'une date, hein, donc... Passez tous un très très bon été. Hein. Profitez-en, parce qu'en septembre, on va moins rigoler. C'est pour rigoler. Il est un peu susceptible, mon beau-frère.